Chers amis, bonjour. Je tiens tout de suite à mettre les choses au clair. Il me semble que j'ai le hoquet. En fait, j'ai ramené une cinquantaine de litres de chouchène et évidemment, à force de les siroter, voilà. C'est tout. Bon, je reviens d'un voyage, d'un périple de combien? 3 jours? 3 jours en Bretagne. Alors, je tiens à préciser que c'était la première fois de ma vie que j'y mettais les pieds, figurez-vous. Donc je suis parti avec ma petite voiture, façon Postman, 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 comment c'était un petit film d'animation? Enfin bref, piano quoi. Piano. Alors c'est intéressant parce que on nous a emmerdés à une époque avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors je ne sais pas où en est le dossier. Simplement, ce que j'ai vu, c'est que moi j'y suis allé en voiture, donc j'ai pris. Personnellement, j'ai un souci que je vous explique, c'est que quand je roule en voiture, avec les vibrations, j'ai tendance à m'endormir. Donc, mais là, quand je suis passager, mais là en conduisant, ça allait plutôt bien. J'ai fait attention évidemment de ne pas trop manger, etc., etc. Et donc ça s'est super bien passé. Mais étant donné que c'est quand même très monotone, les 4 voies, autoroute et tout ça, j'ai fait certains tronçons nationaux et certains tronçons autoroute. Je me suis perdu, en fait. Je me suis perdu. Bon, ça va, ça arrive à des gens bien. C'est très agréable de se perdre, ceci dit. De temps en temps, ça fait du bien de se perdre. Physiquement, j'entends. Donc, je garde un. Comment dire? Globalement, je garde une. Je fais un bilan extrêmement positif de mon séjour. J'ai vu plein de choses intéressantes, des choses moins agréables, mais j'ai vu aussi énormément de choses très très intéressantes et surtout très interpellantes pour plein de raisons. Je ne vais pas développer ici parce que c'est pas l'endroit, je ferai ça de façon plus détaillée sur mon blog, je pense. Bon, en fait, je vais essayer d'être, comment dire, d'aller au plus urgent sur le secteur. Alors, en ce qui concerne justement cette histoire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, j'avais moi expliqué, donc parce que l'argument des gens qui étaient pour, c'était de dire oui, il faut absolument un grand aéroport pour desservir le Nord-Ouest. Alors, que les gens sachent quand même une chose extrêmement importante, c'est que tous les autoroutes, qui ne sont pas des autoroutes, mais des 4 voies en fait, en Bretagne, sont entièrement gratos. Donc ça, c'est quand même vachement important de le savoir, parce que quand quelqu'un part en vacances, par exemple, le budget autoroute, c'est quand même very expensive, you know? Et non, mais c'est vrai, ça coûte vachement cher quand même l'autoroute, quand vous prenez des grandes distances, quoi. Et là, tout est gratuit, donc c'est quand même vachement bien. Bon, alors donc, j'ai expérimenté, et alors j'ai vu qu'il y avait notamment certains tronçons qui étaient entièrement refaits à neuf, quoi. Donc, visiblement, tout le Nord-Ouest a fait vraiment attention à ce que ce réseau soit de très bonne qualité. Mais peut mieux faire. Ah, mais je suis chiante, moi. Vous n'avez pas fini avec moi. Pourquoi? Eh bien, je vais vous raconter un truc, justement. Au retour, c'était hier matin, donc très tôt. Enfin, très tôt, il devait être 7-8 heures. Comme j'étais debout quand même depuis 6 heures du matin, j'avais envie d'un café. Je sentais que je commençais à piquer du nez. Quand je me lève très très tôt, c'est normal, je pique un petit peu du nez vers les 8-9 heures, ce qui est tout à fait normal. Et donc le café, 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 pas de café. Impossible de prendre un café sur une 4 voies quand vous êtes en Bretagne. Faut le savoir, c'est comme ça. Alors je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai un peu les yeux en face des trous, quoi. Je vois pas d'air, je vois pas rien pour prendre un café, quoi. Alors bien sûr, ils sont pas fous, les Bretons, avec leur bigouden. Comment est-ce qu'ils disent village? Village d'étape? Non, je sais plus comment ils appellent ça. Village. Enfin bref, le but de la manœuvre, si vous voulez, c'est que on leur dit, vous voulez vous reposer? Prenez les petites routes à droite, là. Donc. Moi, évidemment, con comme un balai, enfin, faut dire que j'avais pas le choix. Je prends la petite route à droite, d'accord? Et puis là, une fois que vous êtes sorti de la 4 voies, vous vous rendez compte que le village, il est à. Oh, allez! Au bas mot, 4 ou 5 km! Enfin, bref, le café, tchou!
Et en fait, leur théorie, c'est que les gens sont obligés de sortir du quatre voies pour aller dans le village, aller faire vivre le petit commerçant du coin. Alors, certes, je comprends parfaitement, c'est une politique qui est pas stupide du tout, je reconnais. Sauf que, attendez, le problème, c'est que c'est quelque chose qui peut tenir la route si jamais le petit café, il est tout prêt, quoi, et qu'on le voit, là, hein, quand on sort. Mais pas s'il faut aller se perdre dans la campagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui va quelque part, qui décide de se rendre dans une région, parce que ça peut être pour des vacances, comme ça peut être pour des raisons professionnelles, il ne peut pas se permettre le luxe de faire 4 ou 5 km pour aller trouver le petit café dans le village à côté. Je suis désolée, ça tient pas la route, ça va pas du tout. Alors le problème, c'est qu'en plus j'insistais, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais vraiment faire les choses correctement. À chaque fois que je voyais le village étape, voilà. À chaque fois que je voulais village étape, j'y allais. Chaque fois, je me faisais entuber, quoi. À chaque fois. C'est-à-dire qu'à l'aller et au retour, j'ai dû me faire entuber 4 ou 5 fois, en fait. 4 ou 5 fois. Je vous jure, je vous mens pas. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que j'en étais au stade où moi, je piquais vraiment du nez, quoi. C'est-à-dire que j'étais sur la quatre voies, je savais que j'avais besoin d'un café, impossible de prendre un café, et j'aurais très bien pu avoir un accident. Voilà. Et quand même, moi, avoir un accident, ça aurait été très dommage. Et donc, le résultat, c'est qu'à un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Alors, par contre, les aires de covoiturage, partout. Ça, super, bien. À chaque branchement, enfin, à chaque fois que c'est possible, il y a des aires de covoiturage. Donc, ça, c'est vraiment bien. Mais ça, c'est vrai que ça leur coûte pas un rond, c'est un parking. Mais c'est bien. Bon, bref. Toujours est-il que je me suis dit, bon, c'est bien gentil, mais je ne vais pas avoir un accident pour leurs beaux yeux. Hein. Donc, j'ai trouvé une aire de covoiturage où il y avait un peu d'ombre. J'ai garé ma voiture. Et puis, j'ai dormi. M'entendez bien? J'ai dormi. J'ai dormi 20 minutes. Voilà. Ensuite, je suis reparti. Et là, que vois-je? Aire de repos, quelques minutes après. Hein. Aire de repos, et là je suis tombée sur. Cri cri! Je suis tombée sur cri cri! Alors, c'est une aire de repos où il y a effectivement quelqu'un, un professionnel, une professionnelle, justement, une femme, qui vend des frites, qui vend des boissons, qui vend tout ce qu'il faut pour se ravitailler, donc il y a pause pipi, etc., etc. Et donc j'ai discuté avec elle, et c'est une dame tout à fait charmante. Un peu dans mon genre. Non, mais on a rigolé parce qu'on a expliqué, je me suis expliqué quoi, je lui ai expliqué le problème. Alors je vais vous raconter comment est-ce qu'elle est arrivée là, parce que c'est quand même assez intéressant. Humainement, c'est intéressant. Elle me dit, nous, on vient du Nord. Elle me dit, j'ai de la famille dans le Nord. Et puis elle me dit, on était tout le temps obligé de venir. On avait souvent l'opportunité de venir en Bretagne, voir des amis ou de la famille, je ne sais plus exactement. Et elle me dit, à chaque fois qu'on allait en Bretagne, on rencontrait le même problème. Impossible de bouffer sur le bord de la route. Alors elle me dit, au bout de 2 ou 3 fois quand même, j'ai commencé à me gratter la tête, puis je me suis dit, merde alors. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal, il y a un truc. Elle avait un boulot dans le nord de la France. Elle m'a dit, bah, écoutez, moi j'ai saisi l'opportunité, j'ai donné mon compte, et puis j'ai monté mon petit machin. Et donc elle a monté sa petite baraque à frites et tout ça. Et puis elle s'est installée comme ça. Alors elle a un contrat avec l'État, enfin la région, je suppose. Et puis, en fait, elle est avec un contrat expérimental pendant 3 mois, si j'ai bien compris. Et puis, selon le chiffre qu'elle a fait, selon la façon dont ça va se passer et tout, eh bien, l'expérience va être multipliée et donc il va y avoir plein de petits professionnels qui vont comme ça être installés sur tout le réseau des quatre voies de Bretagne. Voilà. Et alors évidemment, comme par hasard, on compte sur moi. C'est vraiment, t'étais drôle. Enfin bref, donc j'ai pris Cricri en photo et je lui ai dit, voilà, je vais donc faire mon travail et je vais. Enfin, c'est parce que Cricri était sympa, parce qu'autrement, le reportage, vous ne l'auriez pas eu. Hein. Mais Cricri était super gentil. Voilà, donc on a taillé la bavette un petit peu. Et puis, une fois que j'ai été rassasié, alors il y a plein de tables pique-nique et tout pour s'installer, pour vraiment poser, quoi. Donc j'ai trouvé ça bien. Voilà, ça c'est pour le réseau autoroutier. Enfin, c'est des quatre voies en fait, donc.
Ensuite, j'ai fait plein de photos et je les mets pas sur internet pour l'instant. Voilà, je les mettrai quand j'aurai envie de les mettre. Il y en a certaines que je vais mettre. J'ai testé deux campings aussi. Alors, j'ai testé le camping du Mont-Saint-Michel et j'ai testé le camping du lac à Plouermel. Voilà. Alors, c'est notamment au sujet du camping que je vais développer beaucoup plus sur mon blog parce que ça m'a apporté plein de réflexions intéressantes. Alors, c'est vrai que dans la famille artistique, il y a aussi Franck Dubosc qui est originaire de Haute-Normandie. Alors, je pense pas être l'inspiratrice du premier camping. Enfin, quoi que j'en sais rien du tout. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Mais c'est vrai que le film camping, c'était quand même très intéressant. Il y avait plein de choses. On s'était peut-être un petit peu caricatural, mais il y avait des trucs intéressants. Toujours est-il que moi, j'ai eu l'occasion, donc, dans ces deux campings. Alors faut savoir que moi, le faire du camping, c'est pas du tout dans ma culture, quoi. Mais en fait, ça n'est pas du tout dans ma culture de partir tout court, parce que dans le milieu agricole, quand vous êtes issu du milieu agricole, ou vous habitez à la campagne avec un grand jardin et tout, c'est pas dans ma culture de partir tout court. Mais j'ai quand même, dans ma vie antérieure, parti un petit peu en vacances, et il est clair que, surtout quand on est femme au foyer, même avec un beau et un grand jardin, le fait de partir est encore plus important peut-être que quand on travaille, je pense. Parce que on a vraiment besoin de se changer les idées, quoi. Partir, pour moi, c'est juste viscéral maintenant. Mais moi, j'ai beaucoup plus envie de partir beaucoup plus souvent, parce que tout ce qui est autre que moi m'intéresse énormément. Mais je laisse passer ce véhicule. Donc j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant. Ce qui était très curieux, en fait. C'est de constater à quel point un camping pouvait être différent d'un autre. C'est-à-dire que autant l'un comme l'autre était parfaitement fonctionnel, répondait au moindre souci que le campeur pouvait rencontrer, tout d'une super aimable, vraiment bon marché, voilà. Mais ce qui était intéressant à observer, c'est que celui qui tient le camping imprègne quand même le camping de sa personnalité, quoi. Et donc j'ai vu des choses absolument passionnantes. Passionnantes, parce que j'adore observer les gens, donc évidemment. Alors il y avait évidemment des gens qui étaient là, mine de rien. Moi j'avais pas trop le moral, mais il y avait des gens évidemment qui étaient là pour surveiller un peu comment je réagissais, c'est un peu logique. Donc il y avait par exemple une jeune femme qui travaillait dans le cinéma, dans les reportages, qui était hollandaise, bizarrement tout près de moi, et qui était extrêmement gentille, qui se trouvait toujours sur mon chemin à chaque fois que j'allais quelque part. Il y avait une troupe de théâtre qui jouait de la guitare. Puis quand ils ont entendu Benabar sur mon ordinateur, ils se sont dit, bon, ça va, elle va pas trop mal, elle va bien, donc c'est pas la peine qu'on joue de la guitare. Enfin bon, il y avait. Voilà. Alors, le second. Ah, mais merde! C'est pas possible ça! Mais ils vont m'emmerder longtemps! Ça, c'est terrible, hein, c'est encore un agriculteur, ça, tous les coups. Bon, oui, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le camping, pour moi, ce que je remarque, moi, quand même, hein, c'est qu'au niveau prix de revient, le camping reste quand même la façon de camper, la façon de partir, la meilleure marché, quoi. Et donc ça, c'est quand même vraiment important, parce que pour les gens modestes, on a beau dire, hein. Moi, le camping de Ploermel, là, au bord du lac, j'ai payé, j'étais toute seule, hein, dans ma tente, comme une grande, j'ai payé 10 euros la nuit, quoi, pour une personne. 10 euros la nuit. C'est vraiment dérisoire, quoi. Internet et tout, enfin, super, les gens absolument adorables. Je suis allée tourner deux vidéos là-bas, je suis tombée en panne de batterie, il est venu avec son camion pour me réparer et tout, enfin, vraiment super, quoi. Mais surtout, ce que j'observais beaucoup, évidemment, et évidemment, les gens qui viennent camper, il arrive quelquefois qu'ils transfèrent, ils amènent évidemment avec eux
leurs emmerdements et leurs défauts aussi, hein. Ce qui est malheureusement, on ne peut pas vraiment éviter, quoi. Donc évidemment, j'ai pensé au film Camping de Franck Dubosc avec Brasseur qui veut absolument son emplacement, enfin qui considère que c'est un sacrilège qu'on lui prenne son emplacement et tout. J'ai trouvé ça super marrant. Et donc là, je sais plus, il y avait un soir par exemple où il y avait quelqu'un qui. Il foutait pas la merde, hein, il y avait juste un petit peu de bruit, quoi, vous voyez. Vraiment pas quelque chose de méchant, quoi. Et bien, il y a un mec à côté que ça dérangeait. Il est allé. Alors, je pense qu'il a dû aller chercher le directeur du camping et tout. Enfin, c'est un drôle de boulot, mine de rien, parce qu'il faut être vachement philosophe, quoi. C'est-à-dire que savoir manier, gérer les conflits, etc., etc. Alors, j'ai vu des gens aussi, parce que c'est super marrant. Quand je me suis pointé, par exemple, sur mon emplacement, il y a un voisin qui est venu me voir et qui m'a dit d'un ton très autoritaire, je voudrais savoir combien de temps vous restez là. Ben, je lui dis, je reste 2 nuits simplement. Parce que lundi matin, il y a quelqu'un qui arrive à votre place. Hein. Ben, je lui dis, oui, mais il n'y a pas de souci. Non, parce qu'il arrive, hein, donc il n'est pas question de prendre sa place. Hein. Et tenez-vous bien, et le mec en question, il était assez âgé déjà, enfin, il avait un certain âge, on va dire. Il avait, à la droite de ma tante, il y avait une tante, un peu le même style que la mienne. La tante n'était là que pour leur éviter à eux d'avoir un voisin, en fait. C'est-à-dire qu'ils louaient l'emplacement à côté avec la tente plantée. Il se passait jamais rien dans la tente. C'est-à-dire qu'en fait, la tente était plantée uniquement pour que lui ait un espace vital où il n'ait pas de voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on voit des choses passionnantes, hein. C'est passionnant à confier. Puis bon, il y avait en face, il y avait une famille. Il y avait une famille dont l'un des fils, d'ailleurs, est arrivé le lundi, non, le dimanche soir de 76, là, tout près. Et donc, évidemment, c'était peut-être pas un hasard non plus. Enfin, on s'en fout, c'est pas très important. Mais donc, les trois générations, oui, du coup, trois générations qui campaient ensemble et ça se passait super bien. C'est vrai que j'ai dit, je ne sais plus où, que c'était pas normal de prendre ses parents ou ses beaux-parents pour aller. Pour partir en vacances, mais il est vrai qu'il arrive quelquefois qu'avec ses parents ou ses beaux-parents, on s'entende vraiment bien au point de trouver normal de partir en vacances. Ça arrive quelquefois, c'est rare, mais ça arrive. Et donc, quand ça arrive, c'est vrai que c'est génial, quoi. Donc, je regardais, il y avait des groupes, il y avait des groupes sous les tentes et tout, et c'était vraiment bien, quoi. Alors, j'ai pris des photos du lac qui sont vachement bien, justement. Donc ça, je vais en faire un article quand même. Je fais. Alors j'ai dit que je ne parlerai de rien de Bretagne parce que je suis pas payé pour et donc j'ai pas aucune raison particulière de le faire, ce qui est la vérité en fait. Mais il se trouve que les deux directeurs du camping là sont des gens vraiment super gentils et qui ne font pas ça que pour gagner de l'argent, de toute évidence. Ça, c'est certain. Voilà. Donc je considère que dans cette démarche-là. Ça mérite que j'en parle. Voilà. Et donc, notamment, je regardais. Comment ça s'appelle? Je l'observais en train d'accueillir les gens, justement. Visiblement, ça fait boule de neige. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait je sais plus, il y a quelques années, en fait, elle avait reçu une famille d'anglais. Les gens s'y sentent tellement bien, en fait, que ils en parlent au beau-frère, à la sœur, et ils disent, ah bah oui, puis en fait, ça fait boule de neige, ce qui fait que elle est en fait, comment dire, c'est un peu comme si elle servait de pilier, de pilier régional à une communauté anglaise qui vient camper chez eux, quoi. Vous voyez? Donc, ce qui est très, très marrant. Vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Alors, le camping du Mont-Saint-Michel, par contre, j'ai dormi qu'une seule nuit, il y a beaucoup de place, en fait, là-bas. Alors que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il reste plein de places. Il y a plein de places encore de disponibles. Donc allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est des gens qui sont super gentils. Et le camping du Mont-Saint-Michel, ils étaient super aimables aussi, mais il n'y avait pas il n'y avait pas la connotation plus affective qu'il y avait dans le second, je trouve. Mais ils sont super aimables aussi. Hein. Alors eux, ils ont une petite ferme, carrément. Moi, j'étais dans tout le fond. Alors, j'aime bien parce que je me suis pointé là-bas. En plus, ils n'ont pas voulu que je paye avant. Alors, j'aurais très bien pu me faire la malle sans payer. Il faut qu'ils corrigent ça parce qu'ils vont se faire couillonner. Bah oui, il faut que les gens payent avant. Hein, autrement, ils vont se faire avoir. Hein, c'est clair. Bon, bref, il y a une petite ferme dans le fond. Et donc, je me lève à 5 heures pour aller aux toilettes. Putain, mais ça pue le bouc. Leur bouc est pas castré.
Il puait le truc. Enfin voilà, il y avait un ciel étoilé absolument magnifique. Eh ben, je suis même pas allée au Mont-Saint-Michel, figurez-vous. Mais bon, c'est vrai que j'avais pas trop la pêche, mais le problème c'est que je pouvais pas être partout, quoi. Il fallait que je sois au Malestroit dans la soirée, donc je pouvais pas être partout, je pouvais pas tout faire, quoi. Voilà. Et puis en plus, non, enfin c'était pas possible. Enfin voilà. Donc oui, j'ai pas parlé par contre de mon retour. Alors au retour, oui, donc je suis passée, donc j'étais à Malestroit. Ensuite, je suis remontée au nord-est pour rejoindre la Normandie. On est bien d'accord. Voilà. Alors Malestroit, donc j'étais à Mal donc j'ai dormi à Ploermel pendant 2 nuits. Et donc ensuite je suis reparti le matin. Et là je suis passé par Rennes. Alors bizarrement, je me suis perdu dans Rennes. C'est vraiment très étrange. Alors il est vrai que je suis pas très doué sur le plan comment dire spatio-temporel. On est bien d'accord. Mais quand vous prenez une déviation par au bas mot une trentaine de pancartes déviation pour que la dernière pancarte déviation vous amène dans un cul-de-sac et que curieusement, sur la totalité de la déviation, on vous a fait emprunter la totalité des quartiers de Nantes qui sont en train d'être refaits, bizarrement, c'est très interpellant. Bon, bref, j'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle, à sortir de Rennes. Et ensuite, figurez-vous que j'ai eu un problème avec mon GPS, figurez-vous. Mon GPS m'a dit, oh, il est pas gentil, il est pas gentil, il est vilaine. Il est même très vilaine. Et là, je me suis mis, parce que je suis un oiseau quand même, je me suis mis en position, regardez le ciel, j'ai survolé une certaine zone là, en regardant les étoiles, que j'arrivais à voir en plein jour, ce qui est quand même une prouesse, je vous signale. Et j'ai atterri directement à un petit bled qui s'appelle, je vous le donne en mille, Notre-Dame du Toucher. Incroyable. Notre-Dame du Toucher, qui est à l'est de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Saint-Hilaire-d'Harcouët, ça ne vous dit rien? Eh bien, ça a à voir avec Sheila, avec ses couettes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, eh bien, je suis remontée en Normandie, par la Suisse normande, Villedieu-les-Poêles, enfin non, je ne suis pas passée par Villedieu-les-Poêles. Enfin bref, j'ai pris un bout d'andouille en passant à Vire, etc., etc., etc. Et puis j'ai fini par retrouver des bleds que je connaissais bien. Voilà. J'ai eu un petit souci, enfin pas grave, mais au niveau du paiement d'un tronçon d'autoroute que j'ai pris du côté de pas de Pont-Audemer, mais enfin en Basse-Normandie, enfin comment dire, dans le nord de l'Eure, en fait. Le problème est le suivant, c'est que par définition, quand vous êtes sous tutelle, vous n'avez pas de moyen de paiement en carte bancaire. Et quand vous devez payer 1,40 € et que vous n'avez pas de pancarte paiement cash suffisamment visible, vous vous retrouvez devant la barrière avec la machine où vous devez mettre les 1,40 € en carte bancaire alors que vous avez 1,40 € en liquide. Donc je me suis retrouvée à devoir faire demi-tour pour appeler la nana qui était là, qui a été gentille, qui est venue me dépanner et tout ça. En fait, vous avez, quand vous n'avez pas de carte bancaire, il faut absolument revoir le moyen de paiement des autoroutes de telle sorte que les endroits paiement cash soient beaucoup plus visibles et de plus loin. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Et pourtant, je ne roule pas beaucoup, hein. Donc, il faut vraiment revoir ça parce que c'est vraiment un problème. Si les gens qui sont sous tutelle sont considérés comme des sous-humains qui n'ont pas le droit de partir en vacances, qui n'ont pas le droit de se déplacer ni quoi que ce soit, dites-le carrément, ça sera plus clair. Hein? Voilà. Eh bien voilà, bilan très positif. En fait, je ne suis pas restée plus simplement parce que je n'aurais plus de j'avais plus de sous quoi. Parce que moi, l'argent qui m'est octroyé, ça m'est octroyé à la banque, à mon agence à Pavilly, et je peux pas, je n'ai pas le droit d'avoir d'argent ailleurs. Même si je dis, j'ai posé la question à ma banque en me disant, si je veux rester là-bas, est-ce que c'est possible que j'organise le fait qu'on me verse de l'argent sur place là-bas? Et on m'a dit, non, non, c'est impossible. Voilà. Donc, si vous êtes sous tutelle, vous restez chez vous et vous fermez votre gueule. Grosso modo, c'est ça.
Voilà. Alors, il faudra peut-être voir à ce que ça change, parce que c'est pas parce qu'on est sous tutelle que systématiquement on n'a pas le droit de voyager et on n'a pas le droit d'avoir de l'initiative pour faire quelque chose de bien de sa vie, malgré le fait que on soit sous tutelle et que ce soit quand même très humiliant objectivement, pour le cas où certains auraient oublié ce que c'est que la notion de dignité humaine. Alors, il reste de la place là-bas, hein. Alors, Plouermel, vous pouvez faire de la voile, vous pouvez faire plein de trucs, hein. Il y a plein plein de choses là-bas. Et c'est vraiment très très beau. Particulièrement au lever du jour, si vous voulez mon avis.